Après, à des endroits, c'est toujours pareil. Un coup, tu le prends bien, un coup, tu le prends mal. Genre, il y en a, ils font quoi? Ils sortent du dépôt. Ils font le 3. Wesh. Ils font 317. Puis après, ils arrivent au dépôt, ils changent de ligne. Attends, je vais le mettre à pied. Et par exemple, lui, là, avec son Citaro, il a fait 67, là, il passe sur le 24. 24, c'est une ligne que j'ai déjà fait. Sauf que maintenant, je la fais plus parce que c'est une ligne, je trouve, elle sert à rien. Elle est trop courte. Salam alaikum, ça va ou quoi? Wesh, toi, là, ça va ou quoi? Casquette racaille. Bonjour. Hey, t'es niqué. Hein. Ah là 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 là. Bon la team, sur ce je pense qu'on va se laisser là-dessus, hein, sur ces bonnes ambiances. Donc ouais. Et je pense que la prochaine vidéo sera avec le nouveau bus ou encore avec le Citelis, on verra. Sur ce, c'était Chase. En compagnie de lui, là. Enfin, pas vraiment, mais bon. Ah, merde. Ah. Ah, là, je suis baisé. Merde. je me fais baiser en fin de vidéo. Du coup la team, j'ai Max Agora avec moi là. Je suis avec mon Citelis hybride, bientôt futur achat d'un bus. Sauf que cette fois c'est un bus articulé. J'ai déjà commencé à regarder, je sais déjà ce que. Donc les gars, on est sur Roblox, sur Atura Transport pour faire la ligne 317 comme d'habitude. On a Max à côté. Citelis 12 mètres hybride, hein, comme d'habitude. Voilà. Par contre, hier le jeu il était en français, là il est en anglais. C'est louche, louche, louche. À lui avec son petit Agora. C'est un grand fan d'Agora, hein. Big up à toi, Max. Nagne. C'est pas que j'aime pas, mais c'est beau, c'est. Voilà. Bon. J'ai fait, du coup, je suis sorti de là-bas avec. Révision faite, l'info hier soir. Donc c'est parti mon kiki, on va prendre le service. 317 direction gare routière. C'est parti les pépettes, on va s'amuser un peu. Se mettre en position, ne pas beaucoup ce matin sur le cerf. Ah ouais, le mec il fait deux. Ah ouais, lui il fait la ligne parallèle. Donc je pars maintenant. Ok, lui aussi ce qui s'est mis sur la 317. Allez, let's go. Bon, par contre, le fait d'être trois bus collés, je suis pas fan en fait.
Par contre, s'il vous plaît, pour les joueurs, pour ceux qui jouent sur le serveur, essayez de jouer un peu RP, s'il vous plaît. Parce que du coup, t'en as, parce qu'on est quelques-uns à vouloir jouer RP et tout. Mais du coup, à cause de certains, genre, ça nique tout notre RP. Par exemple, tu sais, quand on est là, à l'arrêt, t'as pas le droit de doubler en fait. Parce qu'il y a ligne blanche continue. Et le dépassement, il est interdit. Hop. Let's go. Feu vert, la patte d'autre, père. Je me dis pas que c'est un collègue de la 307 qui est devant. Bien sûr, apparemment. C'est chaud quand on est plusieurs bus collés. Parce que du coup, IRL, bon, des fois ça se voit, mais pas tout le temps, tout le temps. Enfin, c'est possible, mais bon. Mon prochain bus, je compte passer sur un articulé. Comme j'avais dit en début de vidéo, j'ai commencé à regarder les prix et tout ça. Maintenant que ça rapporte et tout. Donc là, je suis à peine en train de commencer à rentabiliser celui-là. Mais quand je vois les prix, genre, c'est un bus bien plus cher que l'autre. Enfin, des bus bien plus chers que... Wesh, il est sur PC ou quoi l'autre? Ah ouais, il est PC, lui. Moi, je l'appelle, bon. On fait avec ce qu'on a, d'accord? Ouais, t'es une salope, en vrai, Max. Je te jure. Explique-le, s'il te plaît. Moi, je peux pas klaxonner, du coup, c'est la merde. Eh, mais des fois, genre, généralement ici, le VR, je le prends bien et tout. Après, à des endroits, c'est toujours pareil. Donc, un coup, tu le prends bien, un coup, tu le prends mal. Genre, il y en a, ils font quoi? Ils sortent du dépôt. Ils font le 3. Wesh. Ils font 317. Puis après, ils arrivent au dépôt, ils changent de ligne. Attends, je vais le mettre à pied. Et par exemple, lui, là, avec son Citaro, il a fait 67. Là, il passe sur le 24. 24, c'est une ligne que j'ai déjà fait. Sauf que maintenant, je la fais plus parce que c'est une ligne, je trouve, elle sert à rien. Salam alaikum, ça va ou quoi? Wesh, toi là, ça va ou quoi? Casquette racaille. Bonjour. Ah ouais, hey, t'es niqué. Hein. Hey, il est con, je crois qu'il a oublié d'éteindre son bus. Le con, il a oublié d'éteindre son bus. En gros, quand t'es à l'arrêt, genre tu dois appuyer comme ça, tu éteins le bus. Là, je l'ai démarré. Parce que si tu l'éteins pas, en fait, ça va arriver ce qui s'est passé avec Max. En gros, son bus, il va despawn. Ça m'est déjà arrivé au début quand j'ai commencé. Genre j'étais au terminus et tout, je suis sorti. Après je me disais, wesh, il est où mon bus? Après j'avais mis, ouais, on m'a volé mon bus. Après on m'a dit, ouais, t'avais pas éteint le bus, du coup il a despawn. Du coup il y a quelqu'un qui m'a ramené au dépôt pour reprendre. Bon, c'était pas avec celui-là, en fait. Quand je lisais le Elias Logic 57. D'ailleurs, j'avais parlé avec un ami sur Insta qui joue aussi sur Atura.
Et on a parlé et tout, on s'était mis d'accord, et en vrai, on avait parlé d'un truc qui aurait pu être bien. Genre, par exemple, les bus qu'on a, le C2K, GX137 et R312 sont les bus qu'on a gratuits dans le jeu. En gros, c'est de pouvoir faire un peu comme sur Bus Simulator. En gros, faire un système d'affectation, comme ça, les bus, ils sont pas au dépôt en train de dormir. Genre, en gros, il y a des IA qui les utilisent et tout. Et comme ça, notre argent, il monte. Comme ça, ça permet de rentabiliser. Par exemple, moi, ça m'aurait permis de rentabiliser plus vite l'achat de cette beauté. Et quand je joue, et quand je suis pas connecté, bah, je mets celui-là avec une IA. Et après, dès que je me retrouve, bah, je prends le bus. On voit même pourquoi pas pouvoir acheter plusieurs fois le même bus. Ça peut être intéressant. Mais après, si on est beaucoup, là je pense pas que le serve va supporter tout ça. Ça on a bien dit. Au moins limité à je sais pas combien de bus par personne en affectation. Parce que après on s'est mis d'accord que le jeu il va pas forcément supporter tout ça, donc tranquille. Wesh, le mec elle est bien articulée, je pense pas que je me l'achèterai. Hein. Je pense qu'il doit faire rapporter grave du fric, mais laisse tomber, j'achète pas ça. Tourne s'il te plaît. Après que tu passes en récontrant. Franchement, les cités hybrides à la RATP, je sais qu'il y en a, mais c'est dommage que c'est pas dans Paris, en fait. J'en ai jamais vu de cités hybrides. Iveco Urbano et 12 mètres hybrides, j'ai déjà monté dedans et tout sur la ligne 82. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, ça, trust. Your driving, c'est bien ma conduite. Asie, binomo. Asie, frère. Tac. Ça, je crois que c'est la borne pour charger les bus. Je sais pas qui l'a pris. Wesh. C'est lui ça? Ah non. Non. Je rêve là. C'est quoi cette merde? Wesh, avec sa Renault 4L, wesh. Attends, on va faire un truc. Attends, on va faire un truc. Bon, cette vidéo, on va pas faire que 317, on va faire aussi une course. Ah, je suis fini. Vas-y, frère, viens, va sur l'autoroute. Quand il va où, lui? J'ai fait sa poubelle. Arrête de klaxonner, wesh. Et moi je voulais qu'il aille sur l'autoroute voir ce qui capte de plus de puissance avec sa poubelle. Je sais les gars, Max il est fan de bus, enfin de bus de voiture ancienne. Moi aussi ça va, je suis fan. Après ça dépend les modèles, mais c'est vrai qu'il y en a, je suis plus fan que d'autres. Vas-y frère, il sort sa 4L, wesh. Un man hybride, mana 37 hybride, j'aurais pas dit non sur le serveur. Vas-y, moi je me casse, comme ça il va même pas me trouver. Il va me mettre, ouais, Chase, t'es où? Frère, je suis dans ton cul. C'est comme ça. Quand il a mis off, là, quand son bus il a despawn, ça se trouve, il a dit, putain, comment ça se fait, il a despawn là. Frère, j'ai expliqué, donc.
Quand tu verras la vidéo, c'est B. Frère, il fait quoi lui? Wesh, sors, sors! Dégage ta race! Non, je blague. Apprends CV, Carl. Frère, au début, c'est la galère avec ça pour avoir du fric et acheter un bus. Genre, du moment t'achètes un bus qui te fait gagner un max de fric, ça va, tu peux te mettre bien. C'est quoi, lui? Elle, la ligne qu'il fait, je la connais même pas en CB. La vérité, je connais. Je l'ai fait une fois. Aller-retour. C'est dommage, il n'y a pas des passagers moldus. Ou des IA. Ça aurait mis un peu plus de... Ouais, je sais pas, t'avances pas. Ça aurait mis plus de réalisme. Tu sais, même ils font signe de la main pour que tu t'arrêtes. Genre. Enfin, il y a plein de choses qui auraient pu être pas mal. En plus, dites-vous que hier soir, j'ai joué avec un... Non, là, je tourne samedi. Donc, hier, vendredi, hier soir, ouais. J'étais sur le 317 avec le Cité Lys. Et il y avait un mec en Agora Line. Franchement, c'était GG. Non, on était collés, mais moi, j'étais parti 5 minutes après lui. Je l'ai rattrapé pratiquement là-bas. À la marina. Wesh. What the fuck? Comment ça il est déjà là lui? Oh le mec c'est un hacker. Le mec c'est un hacker. C'est quoi son truc? Ah, ok, de loin on aurait dit qu'il avait marqué NTM. Eh lui il aime trop les bus anciens et tout. Ah. Désolé camarade, désolé. Quand je vais laisser me désolé. On y va, c'est parti mon cucu. Arrête de gong frère, ça saoule. Ah ouais, toi, il est notion code de la route, laisse tomber. Hein. Pas Max, mais lui avec le liaise. Son code de la route là, je vais vas-y frère. Un feu rouge. T'es mal à conduite là-bas, wesh. Hey, t'as des mecs, franchement, ils niquent le RP1. Hein. Non, moi j'ai anticipé ma manœuvre.
Bon, lui, il n'a pas trop fait de même. Je trouve que les forces du crossover sont mieux faites sur le Urbana. Franchement, je suis satisfait du Cyclis hybride. Hein. Ah ouais, c'est à recevoir le jeu. Un GC2 plutôt. Un GC2, ma gueule! Franchement, comme ils marquent pas les arrêts et tout, bah, à mon avis, ils sont déjà au dépôt et en train de faire le gnico. Celui-là, c'est un arrêt, je le calcule même pas généralement. Surtout que, genre, de ce côté, on a l'arrêt, mais de l'autre, on l'a. Ah, on l'a! Si, si! Ah, j'allais dire qu'on l'a pas, mais on l'a. Ça, c'est l'arrêt. Ok. Est-ce que plus ça coûte deux fois pour faire? Eh, j'y connais les appels de phare quand même. En vrai, les appels de phare, c'est mieux que les coups de klaxon. Après, pour les appels de phare, faut savoir servir des rétroviseurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas servir des rétro. Moi je le fais, les appels de phare là sur le jeu, des fois c'est pour saluer les collègues qui arrivent en face. Check, check, check. Wesh, par contre apprends à te garer s'il te plaît. Stationnement gênant. Attends, on va lui dire. Stationnement gênant. Tiens, c'est cadeau. Je de rien du tout. Franchement, Max, tu vois la vidéo, si tu gênes. T'étais carrément. L'avant de ton bus là, il était carrément en dehors de ta zone de stationnement. Ah ouais, bravo, Max. Franchement, ça c'est RP complet. Là, on reconnaît les nasses du RP. Par contre... Ah ouais, mal positionnement. Mauvais positionnement. Lui, il y a mauvais positionnement parce qu'il est sur le passage piéton. Putain, il est naze. Putain, il est trop nul. Franchement, mauvais positionnement, ouais, parce qu'il est sur le passage piéton et c'est obstruction à passage piéton. Enfin, vous avez compris. D'une manière ou d'une autre, c'est une forme d'obstruction. Et du coup, je vais marquer l'arrêt. Hein. Il y a un arrêt au cas où t'as pas compris. Il y en a, je sais même pas s'ils sont au courant qu'il y a l'arrêt juste là. Allez, mange le feu rouge. Oh le bâtard de la conduite. Le naze de la conduite. Ah ouais. Eh, s'il vous plaît, lui donnez jamais le permis à lui. Ah ouais. Il est naze. Oh là là. Lui et la conduite, laisse tomber. Non, il y a pire, mais... En plus, hier soir, j'ai même fait service limité à là-bas, là, à la marina. Genre, j'ai fait demi-tour à gauche. Genre, j'ai tourné à gauche, puis après, juste à droite. Pour atterrir du côté du collègue en Citaro. On dirait le GC2 de tout à l'heure, je crois. Ah ouais, vas-y, bravo le dépassement. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends plus rien ce qu'il fait. Ah ouais, le contresens qu'il met et tout, il est vraiment...
Le code de la route. Qu'est-ce que tu joues, frère? Qu'est-ce qu'il joue, wesh? Eh, le mec, il est... Eh, j'ai juré. Ah! Ah, il y a lui aussi. 3D54, c'est TikTok. Wesh, TikTok. Wesh, TikTok. Ah, non. Les gars, au cas où j'ai mis wesh TikTok, hein, j'ai pas mis un autre truc. Oh, ça passe crème. Oh là là, c'est passé crème. Salut Jojo, salut Chase. Frère, moi, tu te mets quoi si tu meurs? Je suis mort. Cool. On va procéder à la descente. Mais frère, il y a des fois je les fais bien, alors t'imagines en articulé, je vais me faire baiser à, ici. Hein. Oh manin. On fait quoi? Ok, attends. Ok. Ok. Je suis fou. Eh, on rigole, hein, on rigole. MDR. Ah là 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 là. Bon la team, sur ce je pense qu'on va se laisser là-dessus hein, sur ces bonnes ambiances. Donc ouais. Et je pense que la prochaine vidéo sera avec le nouveau bus ou encore avec le Citelis, on verra. Sur ce, c'était Chase. En compagnie de lui, là. Enfin, pas vraiment, mais bon. Ah, merde. Ah. Ah, là, je suis baisé. Merde. Cody. je me fais baiser en fin de vidéo. Eh, on va dire que c'est un bonus. Merci. Frère, laisse conduire ta poubelle. Wesh. Wesh, la voiture. Wesh, on peut pas. Wesh. Wesh, je peux pas monter. Dépôt SVP. Ligne 317. Frère, je peux pas monter dans son bus de merde. Franchement, Max, c'est quoi ton bus là si tu peux pas me déposer. Wesh. Ah ouais, lui, on lui voit le sol carrément à son truc. Frère, ton bus il sert à rien. À part... Plus dépôt SVP ligne 317. Eh, c'est de la merde. Oh non, pas lui, pas lui. Toi, je sais que tu sais pas conduire. Non, les gars, c'est genre le dépôt.
Frère, t'as pas compris, c'est pas toi que je veux. Je veux que ça m'érève à venir me récup. Ok. J'attends un bus 317. Bon les gars, on fait une petite coupure. Je veux quand il est là. Les gars, il n'est pas encore arrivé, mais là, il y a un aspirateur. Bluebus SE 18 mètres. Là, il y a un Citaro qui voulait me récup. Non, c'est pas demi-tour, s'il te plaît. Si, vous êtes des traitions. Ouais. Je connais pas. Par contre, lui. Avec son. Non, tu es où? Wesh! Oh, wesh! C'est à toi ça! Wesh, à toi ça! Et tu l'as volé où? Vas-y, frère. Wesh, à toi ça! Wow, Max, t'as volé cette. Où cette merde? Wesh! Service spécial, mon cul. Frère, il arrive même pas à rouler avec son Bluebus. Peut-être Bluebus 12 mètres, je pourrais me l'acheter. Vas-y, j'aime pas les bus électriques. Il m'a récupéré avant. Hey, TikTok, tu vois la vidéo? Va niquer The B. Maxima récup avant toi, mon sauce. Max qui tombe des abords. Ah ouais, je marche tant la manœuvre. Salut toi! Max, conduis bien. T'as intérêt à conduire, hein. À bien conduire. Sinon, je t'enlève le permis. J'aime bien les rétros. C'est mal l'articulation commence dedans. Le mec il prend un Bluebus 18 mètres juste pour venir me chercher, hein. Dites-vous. Bon bah les gars, petite balade en Bluebus SE 18 mètres. Au moins ça va, c'est agréable à voir. Pas comme les bus frigo. On va se foutre un peu de sa gueule. Hey, tu me déposes là, je te jure, je vais te défoncer. Merci. C'est combien son Bluebus de merde? Bolloré. Ah ouais. Wesh! Eh, ça paye mal, hein!
Oh ouais, même lui il paye plus. Oh ouais, chaud. Chaud, chaud, chocolat. Ah, c'est... ah ouais, c'était ça là qu'il avait tout à l'heure. Ok. Honnête. Bon, la team, sur ce stage, on se dit à la prochaine.